Pour sa première apparition officielle au bras du prince Harry, Meghan Markle a choisi une tenue rouge et violette. Un clin d'œil à la mère du duc de Sussex, ses couleurs étaient très appréciées et souvent portées par Lady Diana. Pour sa première sortie en 2019 avec son mari, Meghan Markle rend hommage à Lady Diana. Lundi 14 janvier, la duchesse de Sussex était à Birkenhead, dans le Merseyside, avec le prince Harry. Pour l'occasion, la duchesse de Sussex avait choisi une tenue familière aux yeux des passionnés de la famille royale britannique. En effet, Meghan Markle a délaissé ses robes noires et bleues marines pour un ensemble violet et rouge. Une robe mi-longue signée Babaton by Aritzia, soulignant son baby bump, et un long manteau rouge de la marque Simtali. Une combinaison de couleurs flashy, souvent portée par la princesse de Galles de son vivant. En effet, Lady Diana avait fait une apparition remarquée à Hong Kong en 1989, portant une jupe violette assortie à son chapeau, avec un cardigan rouge. L'année précédente, elle choisissait pour une soirée une robe bustier rouge, entrecroisée d'un foulard violet lors d'un séjour en Thaïlande. En 1992, lors d'une apparition officielle au palais du Taj Mahal, en Inde, Lady Diana sortait un blazer rouge court sur un haut beige avec une jupe violette, assortie à ses talons. Des teintes aujourd'hui adoptées par Meghan Markle.